couplage étoile ou triangle, moteur asynchrone. Le couplage d'un moteur asynchrone peut être triangle, étoile, ou impossible selon la tension réseau et la tension nominale du moteur. Couplage du moteur asynchrone, étoile ou triangle. Tension nominale du moteur et tension de réseau. En couplage triangle, chaque enroulement du moteur asynchrone voit directement la tension appliquée. En couplage étoile, chaque enroulement voit une tension réduite, divisée par racine de 3. Note, le neutre n'est jamais utilisé. Couplage étoile ou triangle, le bon choix. Pour les couplages étoile ou triangle du moteur asynchrone, les différents cas sont possibles. Tension égale, couplage étoile. Quand les tensions réseau et nominales du moteur sont égales, on choisit le couplage étoile. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 230 V, 400 V, couplage étoile. Ici, la tension est de 400 V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 V pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400 voltages à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 V pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230 V, 400 V, sur réseau 400 V, 690 V, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127 V, 230 V sur réseau 400 V, 690 V, couplage impossible, moteur détruit. Parenthèse fermante point. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400 V, 690 V n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127 V, 230 V, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400 V, 690 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrettes sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. Deux barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. Trois barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idée astuce pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule de étoile. Couplage triangle, trois barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 watts, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 volts, 380 volts. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 volts et 380 volts, aujourd'hui, 230 volts et 400 volts, le cosphi, les couplages et la puissance. On peut brancher, couplage étoile, ce moteur. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases.